Salut à tous, en 2022-2023 j'ai décidé de vous faire partager les coulisses de ma préparation avec un vlog par mois. L'idée c'est vraiment que vous compreniez qu'est-ce que c'est le quotidien d'un athlète qui a l'ambition de remporter 2 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Et ça va vous permettre de découvrir les gens qui m'accompagnent, mes partenaires d'entraînement, mes partenaires aussi qui me permettent de donner vie à ce projet. Et aussi un peu le quotidien, la rudesse de l'entraînement. Donc là ça commence bien, il est dimanche matin, 8h, il pleut. Alors que toi t'es au fond de ton lit, bien au chaud, nous on est là. Et donc voilà, je vous laisse découvrir la première vidéo de ce mois d'octobre 2022. Baby Bendo, bless me. Baby, why you tempting me? She tell me, baby, can you give me? With who? Baby, come and on me. Alors, je commence par tricher un peu parce qu'on va parler de la fin du mois de septembre, car il y a eu la première compétition internationale organisée sur le futur bassin des Jeux Olympiques. C'était l'occasion de se mesurer à la concurrence française et internationale. Et c'est plutôt réussi puisque j'ai pris la première place en slalom et la seconde place en kayak cross. Alors qu'est-ce que c'est le kayak cross? Eh bien c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est une nouvelle discipline qui sera pour la première fois au programme des Jeux Olympiques à Paris en 2024. Dans cette épreuve, je me suis fait battre par Benjamin Regnat qui est un des meilleurs mondiaux dans cette discipline. A noter également qu'il y avait Anatole Delassus dans cette finale. Anatole, c'est un de mes concurrents qui a été médaillé lors des derniers championnats du monde dans cette discipline. A ce titre, il a d'ailleurs été interviewé sur le plateau de France 3 récemment, je vous le mets le lien en description si vous voulez en découvrir plus sur ce nouveau sport. Après ça, j'ai pris quelques jours de vacances pour la fin de saison et je suis revenu à l'entraînement avec une idée bien en tête, trouver le meilleur bateau pour gagner en 2023. Pour cela, j'ai décidé de comparer 2 bateaux, chrono en main, sur le stade d'Ovio Olympique. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'en slalom, on a des normes à respecter, par exemple le bateau doit faire au moins 3,50 m et peser au minimum 9 kg. Mais en dehors de ces quelques règles, les constructeurs sont libres de faire les formes qu'ils veulent. En rouge, c'est un bateau Galasport d'un constructeur tchèque. C'est le bateau que j'utilise depuis plus de 5 ans et qui est réputé pour être assez stable, assez facile. En noir, c'est un bateau d'un constructeur slovaque nommé Vajda, qui est réputé pour être un peu plus joueur et rapide, mais peut-être aussi plus difficile à maîtriser. Je vous laisse me dire lequel vous préférez. Les écarts n'étaient pas significatifs. Alors j'ai décidé de prendre la route du sud, direction Pau, un des hauts lieux du kayak français. Et c'est bien beau de faire des ronds dans l'eau, mais qui dit reprise de l'entraînement, dit aussi reprise de la musculation. Ça a été l'occasion de faire des tests physiques, je vous laisse apprécier. Dernière étape de ce mois d'octobre, le Grand Prix de Pau. Il s'agissait de la dernière compétition avant de basculer dans un bloc de préparation beaucoup plus important en volume et en intensité. Autant vous dire que j'avais envie d'en profiter. Et pour continuer dans mon choix de bateau, j'ai décidé de courir le premier jour avec le Galasport et le second jour avec le Vajda. Alors, à votre avis, j'ai été meilleur avec lequel? Donc voilà, retour au point de départ. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Elle était vraiment... sur un format particulier. L'idée notamment pour le prochain mois, c'est de faire quelque chose de beaucoup plus immersif pour découvrir vraiment le quotidien de l'entraînement. Donc comme je disais, là on est le 6 novembre, il est 8h49. Je vais partir sur un mois d'entraînement beaucoup plus intensif avec beaucoup de volume. Donc rendez-vous dans un mois pour découvrir ça. Bless me, baptize me. Me love you, then I like jilapi. Wet up your like pipe or your jeep. Slap up your when you're bless me. Coca-Cola, she a pan of Pepsi.